Car certaines d'entre elles ne se voient pas cuisiner, balayer ou même laver des tasses. Mes sœurs africaines veulent qu'on les traite comme des reines parce qu'elles sont belles, claires, noires, longues avec la peau ébène. Elles ne veulent plus d'un homme fidèle, elles veulent des hommes qui leur donnent des ailes, capables de leur faire toucher le ciel, qui leur donnent des bleus au pluriel, sinon elles te jettent à la poubelle. Matière. Ni diabiku ni beta kono, au cas contraire takabo koro. Elles ne sont plus à la recherche des hommes bons, mais des hommes riches. Du coup, ils ne sont plus à la recherche des femmes bien mais des belles biches. Pourvu que son père soit un ministre ou un député, pourvu qu'elle est belle et qu'elle a la forme de Beyoncé, ils ou elles sont tous des hypocrites. Mes frères ont déjà compris le concept et depuis, ils ne sont plus à la recherche des mères pour leurs filles. Ils sont trop occupés à mettre en place des stratégies pour enfin les avoir dans leur lit. Aucune morale, aucun sens de l'honnêteté. Et comme mes sœurs sont à la recherche du luxe et du brillant, ils se créent une fausse vie pour mieux les faire rêver. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de relation, aucune bague au doigt, une termusso et des béans hal 600. Celui qui t'aime, tu ne l'aimes pas. Celui que t'aime, ne t'aime pas. C'est vice versa. Elles ne sont plus à la recherche des hommes bons, mais des hommes riches. Ils ne sont plus à la recherche des femmes bien, mais des belles biches. Pourvu que son père soit un ministre ou un député. Pourvu qu'elle est belle et qu'elle a la forme de Beyoncé. Ils ou elles sont tous des hypocrites.